Yo Ludo pour la Ferrari TV, donc je viens de tester la Easy Living de chez Burton en 152. Donc board de freestyle, freestyle backcountry en Flying V. Donc voilà, le Flying V toujours un côté très joueur, maniable. Là on vient de passer dans le parc, c'est vrai que ça passe super bien. Au niveau des réceptes, ça reste assez tolérant aussi. Oui, on l'a vu là, on l'a vu sur la dernière. Surtout sur la dernière, vous l'avez bien vu. Et donc voilà, vraiment petite board de freestyle backcountry, spatule un peu carré. Donc bon, j'ai pas eu les chances de la tester dans la poudre, mais voilà, une board qui doit super bien passer en backcountry. Moi j'ai trouvé que les Ilivine aussi, dans les particularités, quand je l'avais essayé, qu'elles avaient des passages caracar assez vifs. Ouais, ça assez rapide de passage caracar, ça aide aussi en entrée de box. Et voilà, donc très bonne board de freestyle, freestyle backcountry. On a eu un petit passage là sur la. Sur la neige un peu glacée, voilà, c'est Flying V, dit joueur, dit maniable, mais manque un peu d'accroche sur une neige très dure, voilà. Ok. Après, super board dans ce programme, vraiment bien. Ok, je rappelle, une couleur par taille, enfin une déco par taille.